J'ai pas osé foudre mon doublon ML Tailwind dessus. Par contre, il est skill up plus 11, le passif est maxé, j'ai été chercher toutes les chances d'effet sur le S3 et toutes les chances d'effet ici. Donc il est opérationnel. Ça n'a aucun sens. De toute façon, tant que j'aurais pas fait mon free une equip, mes compos n'auront aucun sens. Parce que c'est pas speed tuné, y'a rien qui va. C'est vraiment de la merde. Bon, on a l'attaque sup, donc je vais direct ulti ça. Faut baisser un peu le son d'ailleurs. Heureusement que j'ai pas pris Dark Orbus. Je pense aussi, ouais. Bon, on va tranquillement aller taper la SSB. ML Tailwind debut. Pour l'instant, il a pas encore servi, mais ça va venir, ça va venir. Je vais garder mon sort 3, je pense. On va aller bosser un peu la SSB. Alright. La petite double attaque un peu clutch. Eh, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. On va prendre le revenge là. ML Kieron. Oh, je perds mon Kieron ici. Est-ce que c'est grave? Non, je pense que je vais la raise. Est-ce que je le raise maintenant? Ouais, je le raise maintenant. Un petit peu sur Kieron. C'est pas grave, c'est pour ça que j'ai une team free to play qui me permet de pouvoir ressusciter. C'est l'avantage. Hein. Allez, on va burn là-dessus. Pour le plaisir. Donc, au niveau des dégâts sans break def, ça donne quoi? C'est pas insane. Hein. C'est pas insane. Bon, on va S3. Se mettre un petit buff attaque. Un bon joueur crit toujours ici. Hein. En tout cas, le match, au moins ça passe. Au moins ça passe. C'était pas forcément le meilleur showcase. Je peux pas le nier. Mais c'est une victoire. Et le GVG est compliqué. Donc. Après, n'hésitez pas. Hein, si vous jouez ML Tailwind, pourquoi pas me donner des idées de compo. Hein. Après, c'est vrai qu'il y a le passif de SSB plus Orius. Donc forcément, ça tape un peu moins fort. Il a tanké. Il a cleanse un peu. Il a cleanse un peu. C'est un peu du trolling, mais on y va. Alors, on va se mettre le buff attaque. Mint Wars. Et de toute façon, c'est une vidéo. Voilà, c'est un stream où on teste ML Tailwind. 100% c'est un slow bazar, mais c'est pour ça. La Yoshine, c'est Big Brain. Ouh, il a pas crit lui. Ok, ça va être un peu chaud. Ok, on arrive à strip ça, ça c'est lourd. Taunt le Kieron, c'est pas grave, on proc l'attaque sup parce qu'on est excellent. On va se mettre un gros shield, ça c'est nice. On devrait pouvoir tanker normalement. Largement raté. Allez, on va soigner un petit coup. Tranquillement. Petite patate, hein. Il y a des bons dégâts, le Tailwind, quand même. Hein. Mon. Oh, le bon cleanse, j'adore. Give me more. Alright. Oh là là, mais. Trop fort. Juste trop fort, en fait. Attaque sup à tous les tours. Mais je peux encore prendre mon passif sur le Kieron, du coup, je disais. Oh, le cleanse, en fait. Allez, strip. C'est bien, mon grand. Dealer. Voilà. Ah, c'est pas l'attaque sup cette fois. Et en vrai, pas mal, hein. Regardez, il prend pas de taunt et tout. Il fait son job, hein. 100% de win rate. ML Tailwind. Alors. Et je crois que c'est un slow bazar. Je crois que c'est un slow bazar. Ok, maintenant faut croiser les doigts. Faut croiser les doigts pour que ma Yoshine ne crit pas sur le ML Ken. Yes! Yes!
Yes. Comment ça, contre-attaque? Non, ça c'est pas du jeu par contre. Hein. Alright. Oh non, mais c'est 30% de chance en fait. Ça, ça m'énerve ça. Mec, Revenge a absolument tous les coups. Avec 30% de chance. Bon bah, il était sympa ce fight. Hein. Vous, le chat qui ne croyait pas en moi. Ah, mes persos qui ont décidé de pas crit sur le Melkan, ils sont si smart. Ils sont si smart, mes persos. C'est dingue. Ah, GG, easy, quoi. Ok, on est parti. Alors, on a le first pick. On va sortir la petite SSB, fait toujours le taf. J'ai changé mon torse sur la SSB. Tellement insane le torse que j'ai eu en IMU. Incroyable. Ok, Arby, Alencia. On va sortir ML Haste, tranquillement. Et ML Tywin. C'est la bonne ruelle, by the way. Je pourrais pas la pique. Ok, Rowena. Rowena, c'est méga chiant. Right. Bon, il me faut un peu de sustain, en vrai. J'ai le ML Haste, mais est-ce que ça va suffire? Je pense pas, surtout qu'il y a de grandes chances qu'il le banne. Il y a de grandes chances qu'il banne mon ML Haste. Il banne jamais SSB, vu qu'il a pique Rowena. Ouais, Destina, c'est bien. ML Araminta. Je pense que ça part sur un ban de Rowena. Il a ban ML Tywin, donc il a laissé mon ML Haste dans la compo, plutôt intéressant. Bon bah, je voulais tester ML Tywin en RTA, c'est raté. Hein. Bon, en tout cas, ML Haste, ML Tywin, sympa. Hein. Vous avez vu, c'est vraiment cool. Il se fait ban, et comme ça, tu gagnes la draft. Le beau jeu, le petit Charles. Il va très certainement ban mon Haste. J'ai pas de sustain pour le moment. Peut-être pick Destina. Ça me paraît pas immonde. Au niveau du ban. Moi, ce qui me fait le plus chier, c'est ça. Allez, ban, ML. C'était plutôt logique. Il a de l'immu sur Kroos et tout. La Diane passe en premier, mais ma Alencia passe juste après. RIP. RIP. Il va quand même lancer son truc. Pourquoi pas? Pourquoi pas? De toute façon, après, il y a Kroos qui va passer. Il va pouvoir mettre le buff death. Il m'aura quand même strip. Ah, that's more like it. Bon, lui, pour le coup, il a pas de strip de son côté. Je pense qu'on va tranquillement mettre ça. Petit buff attaque. Ça, s'il y a des procs qu'elle brise, ça peut faire beaucoup de dégâts. Donc là, elle va se mettre un petit buff death tranquillement. La question, c'est qui est-ce qui va push back? Le Tywin. Ok. Bah, je pense que je vais le push up. Il le push back, moi je le push forward. Et on va tenter du stun. That's my boy! Oh, my boy Tywin! Quel crack! El craquito, on l'appelle! Oh, tu break death pas, tu trolls. Ça va. Pas besoin. Ok. Est-ce qu'on irait pas sur... Ouais, je pense qu'on va aller sur Ruel. 70% de chance de proc le S2. Ça proc. Je serais pas allé en origine de l'eau, c'est un peu chiant. On va arriver à toi. Je pense qu'on va soigner maintenant. On va cycler un peu les CD. Allez, break def. Nice. Allez, sort 1 into sort 2, 70% de chance.
Alright. Alright, tu peux le faire. T'as les dégâts. Bien sûr, t'as les dégâts, en fait. Oh, mais quel boss. Ah, pour le coup, c'est un meilleur showcase de Tywin que le GVG de tout à l'heure. Je pense qu'en termes de staff et d'XP, l'Europe a rattrapé le niveau de la globale. Je ne sais pas. Je sais pas quand est-ce que c'est sorti global par rapport à Europe. Mais ouais, je pense que ça se vaut plus ou moins, ouais. Ce contre-yard, ils ont dû rattraper. Il a piqué un cavalier avec mon stuff ou quoi? Ah, je suis mort. Quel crack. Best match, évidemment, best match. Il manque 17 points. 17 points. Je cut pas le stream tant que je suis pas master. Comme ça, c'est dit. 4-1. Alors lui, il veut vraiment que je pique. Youfiné, vacancière. C'est parti. Hop là. Content d'avoir pique bazar, lui. Tikeron, alright. Hors de ma vue, toi, je veux pas te voir. La vanne, elle est haste. C'était à prévoir. Petit coquin. Est-ce que c'était un slow bazar? Pas très rapide en tout cas. Ah, il a pas pushback Malilia, c'est intéressant. Ah, par contre. Attends, pourquoi ma Ufine a. Whatever. Ouais, moyen qu'il tue ma Ufine. Après, il a pas de buff attaque, est-ce que ça passe? Il y a moyen. S'il a un bon Kieron, ça passe. Son Kieron, il est claqué au sol. Rarement vu un Kieron aussi miaou. Ok. J'ai pas envie de tuer l'arbitre tout de suite en vrai. J'aimerais bien proc le passif de lui. Et le stun en même temps. Ce serait vraiment bien. That's my boy. Donc là, on va protéger ma Ufine. Et on va lâcher le meilleur sort, hein, tout simplement. Oh là là. C'est moi où il a 3 brûlures sur sa gueule, là. Ah, je peux l'entendre, l'approaching ruin. Je pense que je vais... Ouais, je vais pushback, hein, tranquillement. J'ai aucune raison de pas pushback, en vrai. Donc là, la menace, c'est qui? C'est... Ouais, le match est terminé. J'ai même pas envie de soigner quoi que ce soit là. Je pense que je vais tuer le bazar là. Ouais, voilà. C'est bien ce que je pensais. Et bah écoutez, c'est pas un passage master ça? Ah ouais, je peux cut le stream. Mon pote, tu peux t'abonner. Laisser un pouce bleu et ce serait vraiment insane si tu fais.
faisais les deux et tu peux même activer la cloche, avoir la notif et mettre un feu. Et nous notre nom c'est Madresse et Chahi.